Bon, salam alaikum, bandirabi, musibe, tchedoubi, hedi, beranda, bangoura, ma, hande, rin, invite, do, hen, got, mangana, d'arma, bise, do, Mamadou, Ndiaye, Mamadou Ndiaye, du nom, c'est qu'il y a là, pour Ndiaye, do, et, der, mouvement, Djamou, Sénégal, gono, do, son, to, Congo, ari, non, adi, du, bok, yidi, djal, in, do, mouvement, on, bela, et, gri, Sénégal, na, bien, ganda, hol, ko, ni, fanare, mouvement, Salmin Renouga Prengartin et Nam de Mouvement. Ok, vraiment. Mais Salmini Bandirabe. Mais Daoud Maman Ndiaye Birim. Et je suis un fils de Haerelao dans le département de Podor. Et je suis un enfant aussi de la diaspora. Voilà, je suis né, grandi en diaspora. Et c'est avec plaisir que je fais cette interview-là pour parler de notre. Djamou Sénégal, qui s'est propagé un peu partout aujourd'hui dans la diaspora et ici au Sénégal. Et nous avons décidé de nous rencontrer ici au niveau du Sénégal, Djamou Sénégal. Pourquoi Djamou Sénégal? Bon, nous avons choisi Djamou Sénégal parce que Djamou, ça signifie la paix déjà. Djamou, il y a le Wadema Djamou, donc tout ça. Donc, raison pour laquelle nous avons sollicité cette partie-là, de dire aux Sénégalais de la diaspora qui contribuent négativement à la destruction de leur pays. Le Sénégal nous appartient, c'est notre terre, c'est la terre de nos ancêtres. Et c'est avec ça que nous voulons vraiment propager ces discussions au niveau des réseaux sociaux, que ce soit partout sur les plateformes, que le Sénégal ne doit jamais, jamais brûler. C'est par ces derniers événements qui se sont déroulés au Sénégal que nous avons décidé, nous tous, d'être ensemble en une force pour combattre l'insurrection, la destruction de notre pays. D'accord. Hali but o hali kede aussi hol ko savi jamu Sénégal wada ha joni créé. Dans ce cas est-ce que min ngidi andude hol wonbe ha joni membreuji kale di ngandan awara ma jabe jamu Sénégal. Bon, mais je me dois oui des membres clé dit vraiment Fatimata Gaïdé. Troisième mandat Arbo Minenfof, on s'est connu sur les réseaux sociaux. De façon très, 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 c'est-à-dire, ça a été quelque chose, ça a commencé sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que on assistait à des différents lives d'autres pays, des gens qui se font appeler des panafricains, qui insultaient notre président Macky Sall, qui insultaient notre premier ministre. Et nous, en tant que Sénégalais, cette partie-là, ça nous rongeait. Et nous avons décidé, nous tous, de se mobiliser ensemble pour parler du bien du Sénégal. Et surtout, le bien que le président Macky Sall a apporté à ce pays-là. Moi, je suis un enfant, j'ai connu la guerre dans différents pays, tels que en Côte d'Ivoire, j'ai assisté à la crise post-électorale, j'ai vu comment les Ivoiriens se sont déchirés entre eux, et c'est ça qui m'a poussé à monter sur les réseaux sociaux, leur parler de ce que nous avons vécu à l'étranger. Et nous ne voulons pas que cela puisse être ici au Sénégal, parce que le Sénégal, c'est une paix de Teranga. Le Sénégal, c'est une terre d'accueil, c'est un pays vraiment qui est très ouvert aux étrangers. Nous, on vit à l'étranger, on sait ce qu'on vit là-bas. Et ainsi de suite, avec Fatimata, troisième mandat, l'action s'est passée comme ça sur les réseaux sociaux. D'accord, mais est-ce qu'on en compte full personne, halpul personne, gounian, voilà là, ne voyez aussi l'équipe de l'Israël. Non, Djamou Sénégal, l'aide elle fauve nanen, il y a Djolfou, il y a Tserer, partout. Aujourd'hui, on est représenté dans près de 15 pays. On est représenté dans 15 pays, mais des représentants vraiment très, très pragmatiques. Donc, chacun de nous, ce qui vit dans ces pays-là, exemple, on fait des lives, là où on invite quelqu'un de la RDC, tel que moi, j'ai été invité dans un live. Nous avons parlé des binationaux, des Sénégalais qui ont eu des femmes congolaises, qui ont eu des enfants avec des femmes congolaises, et comment ces enfants-là peuvent devenir Sénégalais. Tout ça, nous avons discuté sur les réseaux sociaux. Et lorsque notre premier ministre était en tournée par rapport à les Jeux de francophonie, nous l'avons reçu avec notre ambassadeur, M. Dorsi, que je salue au passage, vraiment qui fait un travail énorme au niveau de la RDC. Et avec ces accords-là, nous avons quand même pu trouver comment faire pour que
un enfant né au niveau de la diaspora puisse obtenir des papiers sénégalais. Parce qu'avec l'État congolais, ce n'est pas facile. C'est très, très difficile pour avoir des documents. Et nous nous battons. Nous avons raconté au Premier ministre, il nous a accordé une audience avec notre imam Cheikh Soumaré, le coordinateur aussi Ibrahim Sow et Amadou Ndiaye, que vraiment nous avons fait une équipe de la RDC pour discuter avec le Premier ministre. Et le Premier ministre nous avait dit et nous rassurait que vraiment tout allait rentrer en ordre. Et vu que je suis au Sénégal aussi, je suis là pour ça aussi, pour voir les autorités, pour essayer de discuter avec eux. Pour le moment, c'est sur cette éthique-là que nous sommes. D'accord. Djamou Sénégal comme mouvement politique ou alors comme mouvement apolitique? Non, comme mouvement politique. D'accord, comme mouvement politique. Comme mouvement politique. D'accord. C'était nous béni aussi, mouvement politique, on va déranger où? On va déranger où pour le pouvoir ou alors sinon, quoi opposant? Non, minen, quoi pouvoir? Minen, président Macky Sall, a mingoni tchagal leid. Mingan ko mingoura tchagal leid ko. Bangal courant. Bangal infrastructure, bangal diam, eau potable, amingandi, kohé mingi bangal Afrique centrale. Aïe, pourquoi souvent minen aminkal, komingurat ko, et komingi ender Sénégal, wana gorum. Wana gorum. Hande, adouai umado, yeta orma, nja atouba, aller-retour ngarta, minen hanki dum mimbani, sans problème, une route vraiment nickel. Les gens vont dire non, c'est pas les routes qu'on mange ou c'est pas les routes nous on veut. On veut d'autres choses, mais un pays se développe selon les infrastructures. Et au fur et à mesure, les choses seront faites. C'est vrai, on ne peut pas dire que tout a été fait avec le président Macky Sall. Mais nous, on est là pour défendre le bilan du président Macky Sall sur les réseaux sociaux. Et notre candidat, qui est Amadou Ba, qui sera, Inch'Allah, le futur président du Sénégal. D'accord. Ou des mouvements Djamou Sénégal, avec quoi de soutenir Amadou Ba, avec quoi de soutenir le président Macky Sall. Voilà. Est-ce que le mouvement Amadou Ba est récépissé? Oui, on a déposé déjà au niveau de l'État tout ce qui est comme document administratif, raison pour laquelle Fatima a quitté Paris et moi j'ai quitté Congo et Ibrahim Sow, lui, il a quitté Centrafrique, mais il est rentré pour que tout soit dans les normes et dans l'étiqueté des choses. Pourquoi? Parce que quand les campagnes vont commencer, Djamou Sénégal va faire les tournées. On aura... En Afrique ou bien oui, en Afrique et en Europe, en Amérique, partout. Partout. Nous avons déjà une représentation au niveau de Côte d'Ivoire. Nous avons une représentation au niveau du Rwanda. Nous avons une représentation au niveau de la Turquie. Nous avons une représentation au niveau de l'Asie, du Thaïlande et ainsi de suite. Au fur et à mesure, on est en train de s'adapter pour avoir des représentations partout. Là où il y a des ressortissants sénégalais. Et ça ne sera pas que de la politique. Parfois aussi, nous allons parler avec le peuple sénégalais qui sont dans la diaspora. Quelles sont les attentes qu'ils veulent au niveau de l'État pour que nous, on puisse faire remonter ces attentes-là au niveau de notre Premier ministre ou au niveau de notre Président de la République. D'accord. Ouais. Sur le soir porté sur Amadou Ba. Oui. On le dit là. Bon, moi, franchement, je n'avais jamais connu le Premier ministre, M. Amadou Ba. C'est lors de sa venue avec la délégation sénégalaise, nous avons reçu plus de 157 athlètes qui sont venus et la délégation, tels que M. Lamine Sarr, Aminata Badiane et bien d'autres qui étaient là. Et le Premier ministre a pris son temps. Vous voyez, la politique, c'est pas facile. Il y a un problème de calendrier, il y a un problème d'agenda. Il nous a reçus dans une salle. Il nous a dit quelles sont nos doléances. Nous avons commencé à expliquer toutes nos doléances. Je vous explique. Moi, je suis sénégalais. J'ai un passeport sénégalais. Je me rends à l'ambassade de la RDC pour un visa. Le visa me coûte un mois, 77 200. Mais un Congolais qui vient au Sénégal, le visa est gratuit. Donc, vous voyez comment le Sénégal, c'est une terre vraiment accueillante. Et au Congo, pour avoir le titre de séjour, pour un Sénégalais, c'est extrêmement cher. Pour être en règle, un visa d'établissement coûte au moins 1000 dollars. Et après ça, faut prendre encore un visa de voyage pour faire tes sorties. Et ce visa de voyage-là, après 6 mois, il est renouvelable, malgré que tu as ton visa de 3 ans. Donc, tout ça, nous voulons aussi parler à nos autorités qu'ils essaient de voir ces accords bilatéraux-là entre les deux pays parce que c'est des deux pays frères. Lorsque le président Macky Sall est venu, il nous a honoré
il nous a reçus. Il a dit le Congo et le Sénégal, c'est deux pays frères. Mais nous voulons aussi ces accords-là soient vraiment de façon étatique entre deux pays gagnants. D'accord, sous le aussi à Hali à la doléance, oui. Mais on entend doléance, oui, mon cadre, ou alors le dégât de l'an, oui. Non, ami, je dis doléance, oui. Holy doléance, oui, je dis. Bon, Hangal, Hande, sommet Hal, Kadifo, Mihal, Bangal. On parle en français, en ouais. Sommet Hal, Kadifo, que je parle aussi de côté de Kinshasa, parce que Kinshasa, c'est un terre. Moi, j'ai vécu plus de 8 ans à Pointe-Noire, et c'est là même ma politique a commencé aussi, parce que je suis un militant de APR, je suis le secrétaire adjoint de l'APR au niveau de Kinshasa, et aussi le président des jeunes là-bas. Donc du coup, on a beaucoup de doléances qui nous attendent au niveau de Kinshasa, parce qu'aujourd'hui, c'est le problème des titres de séjour, il faut que l'État essaie de voir ça. Et après ça aussi, Dieu merci, le président a pu nous aider sur le côté de Galéchec, qu'il avait apporté sa contribution, parce qu'on avait une cotisation. Nous voulons aussi faire là-bas une mosquée au nom des Sénégalais, parce que beaucoup de Sénégalais sont passés à Kinshasa. Kinshasa, c'est le carrefour. Toutes ces personnes-là qui veulent immigrer vers l'Afrique du Sud, Zambie, Mozambique, viennent d'abord à Kinshasa, avant d'aller dans ces pays de l'Afrique australe-là. Et nous avons beaucoup de doléances, mais je pense que avec le temps, Inch'Allah, notre premier ministre, lorsqu'il sera président de la République, je pense qu'il va plus nous aider sur certaines choses, Inch'Allah. Merci beaucoup, aussi, Ndiaye. Une belle team, une fille. Elle aussi est, de recevoir des titres de TV. Et j'ai des aussi un mouvement, mon gars, vraiment aussi. Comme tu as le Sénégal, tu as le mouvement. Quel est le rang de la population par rapport au mouvement du Sénégal? Bon, nous attendons beaucoup la jeunesse sénégalaise à nous aider à pouvoir promouvoir Djamou Sénégal dans tous les étendues territoires du Sénégal. Actuellement, nous sommes là, mais bientôt, nous allons retourner dans notre pays de résidence. Et après, nous allons revenir pour faire une caravane au niveau du Sénégal, dans les 14 régions du Sénégal, pour propager Djamou Sénégal, pour parler aux Sénégalais qu'est-ce qui est Djamou Sénégal. C'est cette jeunesse là, consciente, qui doit savoir qu'est-ce que la tolérance, qu'est-ce que la paix, qu'est-ce que la sécurité d'un pays. Vraiment, moi, je suis très content que de vous, nous avez bien reçu. Vraiment, et deuxièmement aussi, en mot de fin, je voulais aussi ajouter, nous saluons notre imam, notre guide, M. Chérif Soumaré, et tous les enfants sénégalais qui vivent au niveau de Kinshasa. Je ne peux pas citer tous les noms ici, mais en termes de politique, nous avons notre frère Ibrahim Sow, qui est notre coordinateur, et aussi notre frère Amadou Ndiaye, qui a beaucoup fait pour ce parti-là, APR. Donc, nous sollicitons aussi vraiment nos leaders politiques de se mettre ensemble pour la victoire de notre candidat Amadou Ba. D'accord. Djamou Sénégal, comme on est diaspora en Guinée, ou alors on est dans les relations avec elle. C'est une aussi c'est une idée nade dans Djamou Sénégal. Hal fatou adrawati. OK, bon, min chukumi Bangal Sénégal, nous avons vraiment un travail de terrain à faire. Nous avons un grand travail de terrain à faire. On a déjà commencé à regrouper les membres dans les différents secteurs de Dakar, dans les différents quartiers de Dakar. Quand nous allons finir Dakar maintenant, nous allons maintenant attaquer les régions pour pouvoir faire des coordinations dans chaque région, et ces coordinations-là maintenant seront avec le parti. C'est-à-dire, nous voulons que Djamou Sénégal soit même un parti du pouvoir, aider le pouvoir à gagner les élections, telles que dernièrement en diaspora, les élections des députés se sont très mal passées. Nous avons beaucoup perdu. Pourquoi tous ces malentendus-là? Nous voulons redynamiser tout ce qui est comme parti au niveau du Sénégal pour que la lutte soit vraiment de façon très claire et crédible. D'accord. Gondo diaspora et gondo dohena c'était yidi jokade mon hol adresse mo fatata wawde jettude pour par rapport yidi wadde intégrer dans le mouvement. Effectivement, toute personne qui aimerait s'inscrire à Djamou Sénégal, nous avons une page TikTok de Fatima Westaf. Il suffit de taper Fatimata Westaf, vous allez voir sa page, ou soit aussi me contacter directement sur mon numéro de téléphone, ou soit sur ma page. Voilà, sur ma page. Pour donner les numéros de téléphone. OK, mon numéro de téléphone, c'est +243 80 19
8 415 349. Donc, je répète, plus 243 9 9 8 415 349. Ça, c'est mon numéro Numéro WhatsApp. international. Voilà, WhatsApp. Et j'ai mon compte aussi TikTok. C'est là-bas que nous faisons la bataille de Djamou au Sénégal. C'est là-bas que nous combattons toutes ces personnes qui disent que le président n'a pas travaillé, il n'a rien fait. Toutes ces personnes qui dénigrent la candidature de notre futur président Amadou Ba. J'ai ma page qui est Sambandiaye 243 au niveau de Kinshasa. Donc, vous pouvez aussi taper là. Et il y a la page aussi de troisième mandat. Vous pouvez aussi vous connecter dessus et ensuite lui faire un message. Et il y a Arbo aussi qui a sa page officielle, Arbo TV. Vous pouvez aussi vous connecter dessus et faire un message. Nous allons toujours vous répondre. Merci beaucoup. Nous vous remercions aussi. Bandirabe min beltimani fewi kadi on beltanama ko musi Ndiaye wonnoɗo hen ummi ton to Congo uniquement pour yidde aussi hollirde yimɓe ɓanginde on mo ganduɗa hoore makko kañum woni mouvement Jammu Sénégal ha gongol kongol wonta gongol e lawol gongol on jarama fulɓe ne kewi wiide guɗannoɗo maire so tawi rewando e somma jittoni ceeba waɗi watti waɗi koko wawno waɗi watti waɗi koko wawno waɗi watti waɗani kono hawno ɗum noon fulɓe mbi so tehende yanama hamme warani waraka hamme waɗani ko hani ɗum noon bandiraɓe ko erango festival Blues Fleuve baɗowo toon to Podor Douaira ɗum noon so Podor haalama hakkillaji foof paye e nalanke gana woni Elias Baba Beydi Mall dande sore radio ji seki duule tawi fulɓe e jokli windere nde kala ɗum noon o findini o tindini o hirjini o jertini ɗum noon so tawi Elias Baba Beydi Mall noddi pulawbu ndaw ko hani enen kala ɗin poti heɓade e heɓade e heblade arde notitade oɗon festival nde tawno festival o ko jencudi mairi ene woodi ɓe ngandanɗa hoore ma ko touriste en ene gara ngam tigui rigui ha joni ɓeydude ngaalu e nder leydi ndi kono noon kadi festival o eɗen gandi hewɓe cikkata wonde koɗo banggue jimri kono noon won jencudi wondi wondi hen ɗe jiiɗa ɗum ɗon nde tawno Baba Mall Baba Baydi Mall ko neɗɗo social ko waɗata e nder social ko ɓuuri hewde ko yimanta yimɓeɓe belto ko nde tawno Baba Mall so tawi koɗo banggue jimri haalantake ko fewti hen kono noon ko heddi ko beele yimɓe ne gandi Baba Mall baɗo social o ɗum saabi noon festival oɗon ko développement ɓuuri hewde hen haadirten yanna onon kala soɗen jiiɗi andude e famde teskade e kadi arde tawtorede onon festival wota hay goto luute ɗum noon ko le 8 9 10 décembre toon to Podor enen kala garen e kewal garen e pewal woto hay goto wajjikino daro e bowal nde tawno notitade Elias Baba Beydi Mall jiɗɗal mum ko notitade pulago nde haadirten yanna min Dj ɗum mboɗemi toon kono noon oɗo festival enen sukaɓe ɓe ganden wonde ko festival men ne hadirten yanna woni sukaɓe nalankoɓe ɓe moguiyankoɓe ɓe jayniyankoɓe ɓe wittiyankoɓe ɓe ha e ko nandi hen enen kala garen jehen kolliren Elias Baba Baydi Mall ko gollini leñol ngol ko ɗum noon hollirde ɗum ko arde e kewal ara e pewal enen kala jaggiren ɗum festival o ko festival men goto e men foof fodde nde foti wadde hen waɗana timma ɗum noon so tawi neɗɗo ene walla ballowo leñol woto fat ha ballowo leñol wiya wonde yo ar o jagga hen junggo makko ɗum noon ko hunde nde o jeeyi ko jeyɗa noon a tetat nde tawno fodde rokketake tetre te tetra fodde so wona ganduɗo fodde waɗa fodde nde no fotiri fodde ni ha timma Baba Baydi Mall yo Allah junndu balɗe makko moƴƴina battane makko nde tawno ko jewtowo leñol ngol dande makko nde mbiruɗen ni filfiltodiri windere tawayi fulɓe jogi windere nde hadirtan yana ɗum noon fulɓe guɗannoɗo maire so tawi rewandu e summa jiitani ceew mi yeehi